Je suis monteur et cinéaste. Je réalise des films sans tournée à partir d'images préexistantes que je recherche sur Internet ou dans diverses archives. Je me les approprie, je les transforme pour raconter des histoires à la première personne par le biais de voix off. L'originalité du dispositif, c'est que j'essaye justement de rendre ce dispositif invisible en faveur des émotions. Et j'ai réalisé deux courts-métrages de fiction sur ce mode, Rémi et Perché, qui ont remporté plusieurs prix en festival. À la Casa de Velázquez, je travaille sur un projet de long métrage qui s'appelle Une longue distance. C'est un film hybride qui mêle cette fois le found footage à des plans tournés spécifiquement. Ce renouvellement esthétique me permet d'explorer de nouvelles formes sensibles en filmant par exemple des visages et des corps. Une longue distance raconte l'histoire d'Alex, un jeune homme dépressif qui est sur le point de se foutre en l'air et qui hérite in extremis une croisière all inclusive en paquebot. C'est celle que sa grand-mère devait faire, un voyage le long des côtes espagnoles, son pays natal qu'elle avait quitté au début des années 40. Et elle l'avait désigné juste avant de mourir, pour qu'il aille disperser ses cendres dans la mer. Et ce voyage absurde avec l'urne funéraire, et même cauchemardesque, devient le théâtre d'une enquête sur les raisons de sa présence à bord et les origines. De fil en aiguille, Alex dote sa grand-mère d'un passé de résistante anti-franquiste, et ce fantasme l'inspire et l'incite petit à petit à mener sa propre révolution existentielle. Finalement, c'est comme s'il allait se libérer à la force de son imagination. En mettant en perspective le passé et le présent, je voudrais faire le portrait du personnage et de notre époque qui m'apparaît révoltante. Je parle aussi bien de la société de consommation que de solitude, du deuil, d'héritage. Je traite ces questions de l'intime et de la fantasmagorie d'une manière assez personnelle, avec un ton à la fois drôle et désespéré, et avec une forme mentale et sensorielle pour naviguer entre le réel et l'imaginaire, la folie et l'au-delà. Depuis le début de la résidence, j'ai commencé à tourner des plans lors de repérages en croisière et mener des recherches. L'ancrage en Espagne me permet d'aborder la question de la mémoire collective et d'enrichir le scénario dans ses dimensions historiques et culturelles.